C'est une aubergine qui n'est pas trop petite, qui est saine, et c'est le type de fruit qu'on recherche. Bonjour, je m'appelle Alain Mounier, je fais du légume depuis 25 ans et je travaille avec Bedina depuis une vingtaine d'années. Voilà, une journée type en septembre. Donc en ce qui concerne l'aubergine, on ramasse le matin, à midi on arrête, on ramène toute la marchandise à la ferme, à la station. L'après-midi, on éboute les aubergines, c'est-à-dire qu'on enlève le pédoncule. Donc ça passe sur des tapis, il y a 4 personnes de chaque côté, ça tombe dans des palox. Et ensuite, on stocke les aubergines au frigo. Quand le camion est complet, on livre à notre client qui est surgélateur. Il stocke ça et ensuite, le client final, c'est Bledina. En fonction de leurs besoins, ils commandent au surgélateur une palette, 2 palettes. Et donc le stock est gérer toute l'année pour que le Bledina puisse être approvisionné toute l'année. Une belle aubergine destinée à Bledina, c'est une aubergine qui n'est pas trop petite, qui est saine, c'est-à-dire il n'y a pas de piqûres d'insectes. C'est des aubergines qui font à peu près entre 350 et 550 grammes. Et c'est le type de fruit qu'on recherche. Qu'elle soit grosse ou petite, il y a le même nombre de graines à l'intérieur. Le but, c'est d'avoir le maximum de chair pour pouvoir avoir un bon produit. Et donc on a le meilleur rendement en fabrication.